Excellence, Monseigneur Anatole Milando, archevêque de Brazzaville. Excellence, Monseigneur Urbain Gassongo, évêque de Gamboma. Messieurs les vicaires épiscopaux, Monsieur le vicaire judiciaire, révérends abbés et pères, chers frères et sœurs consacrés, chers parents, chers amis, chers Hippolyte, chers frères et sœurs en Christ. D'abord, je voudrais solliciter votre indulgence sur la longueur inhabituelle certainement que pourrait prendre mon homélie à l'occasion du départ en terre, du retour en terre de notre frère Abbé Jesse Gublem Yudji. Je pense que cet exercice pourrait être un véritable bain thérapeutique pour moi et peut-être pour quelques autres. Qui a péché pour que l'Abbé Jesse Gublem Justice Yudji mérite ce sort?
à peine 40 années, et déjà dans sa 41e année, à peine 9 ans de sacerdoce, c'est trop peu, c'est trop petit. Le Seigneur vient le rappeler à lui. 40 ans, c'est peu, mes frères et sœurs, et pourtant 40 ans, c'est aussi le temps de la longue marche du peuple d'Israël, de la terre d'Égypte vers la terre promise. 40 ans, c'est ce que nous vivons maintenant, ce temps de carême, qui nous prépare à célébrer ce beau mystère de notre foi, la résurrection, d'autant plus que nous croyons et espérons que ici et maintenant, notre frère Jésus est déjà dans les tendres mains du Seigneur. L'homme est un corpus mixtum, c'est-à-dire un mélange de grâce et de péché, d'excellence et de médiocrité, de bonté et de méchanceté. C'est au creux de ce binôme existentiel que la BGC, comme chacun de nous d'ailleurs, a pu déployer tous ses efforts, toutes ses énergies pour surtout s'inscrire dans le registre de Dieu, de Jésus, comme chrétien et qui plus est, comme prêtre. Et lorsqu'arrive la mort qui est finalement le rendez-vous, ou mieux, le projet le plus sûr de chaque être humain, nous sommes déboussolés, désemparés, nous sommes attristés. Pourtant, Victor Hugo s'exclamait « Vivre est une chanson dont la mort est le refrain » et donc deux réalités inséparables. Malgré cela, dans notre humanité, nous sommes coincés, mes frères et sœurs, dans notre tristesse. Nous pourrions dire ici et maintenant que la mort, comme chrétien, est un véritable chemin qui nous permet de vivre l'éternité. Mourir devient une chance, une grâce, mes frères et sœurs, pour pouvoir rencontrer le Seigneur. À quoi servirait-il, par exemple, de rester branché sur ces principes de sens que sont la fidélité à la parole donnée, l'honnêteté, la justice, l'amour envers le prochain à cause de Dieu? Si nous ne mourions pas, mes frères et sœurs, au fond, pourquoi le Fils de Dieu serait-il venu passer sa vie sur cette terre des vivants en faisant le bien et donner sa vie en rançon pour la multitude? Mais si nous mourons, mes frères et sœurs, d'après la foi chrétienne, c'est pour une vie éternelle, la vie définitive, qualitativement autre auprès de Dieu, mais aussi auprès de ceux et celles qui auront été en communion de vie avec nous. Vivre pour le chrétien, mes frères et sœurs, cependant, c'est beaucoup plus que ne pas mourir physiquement. Bien sûr, et on le sait, la vie est un coude à coude avec la mort, car la mort n'est ni avant ni après nous, elle est en nous, elle est toujours là au rendez-vous. Mais on ne le dira jamais assez, mes frères et sœurs, que vivre pour nous, disciples du Christ, c'est aussi et surtout apprendre à mourir chaque jour avant la mort, à laisser la mort venir en nous, ouvrant ainsi un avenir possible et plus consistant. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vivre, c'est bien cela, et réaliser une mission pour la gloire de Dieu. C'est pactiser au quotidien avec Dieu, en s'engageant pour un idéal noble, en fertilisant l'humanité d'amour de Dieu et du prochain, et aborder face à Dieu avec son unique secours les questions de vie des hommes, afin que leur vie n'apparaisse pas chaque jour qui passe comme une faute d'orthographe dans le texte de la mort. Dans la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure, Saint Paul apôtre fait l'éloge de l'agapé, de l'amour, sans intérêt, comme la seule valeur qui éternise ou rend éternel. Seul l'amour, mes frères et sœurs, appartient déjà au monde de la perfection et du définitif. Sans l'amour, nous dit Saint Paul, les divers charismes de prière, de prophétie, de connaissance et même de dévouement ne sont rien et ne confèrent au sujet qui les exerce aucune valeur d'éternité. Sans l'amour, mes frères et sœurs, le culte le plus élevé, prier par exemple dans la langue des anges, n'est que du tintamarre. Sans l'amour, mes frères et sœurs, même nos richesses les plus attrayantes, les plus somptueuses, ne sont que des idoles. Sans l'amour, même la théologie la plus élevée est encore du babillage. Au lieu de nous enliser dans cette comptabilité de mal que nous ne voyons le plus souvent que chez les autres et que nous avons certainement vu en la BGC, Gublin, Justice, Bioudi,
Saint Paul ici et maintenant nous invite tout de suite à une vitesse supérieure, à l'exercice de l'amour qui prouve son authenticité et sa radicalité dans l'oubli de soi et dans une vie de kénose, dans une vie d'abaissement. Et c'est cet amour-là, mes frères et sœurs, empreint d'humilité, qui sauve quand il est une attitude et une activité année de parmi de patience et d'écoute, de persévérance et d'espérance. Jésus, dans les évangiles, ne spécule pas sur l'amour. C'est un verre d'eau que tu me donnes, une visite que tu me rends à l'hôpital ou en prison, des orphelins que tu visites sans trompette ni lyre à 10 cordes. C'est l'unité que tu sauvegardes dans ta famille. Et l'abbé Jessie Gublin-Bouilloux dit que nous pleurons à chaudes larmes à essayer tant soit peu, mes frères et sœurs, malgré ses limites en tant qu'humains, de pouvoir vivre cet amour à temps et à contre-temps. Je rencontre l'abbé Jessie Gublin-Bouilloux dit pour la première fois le 8 janvier 2001 à Kinsundi, plus précisément au moyen séminaire Saint-Jean où nous faisions notre première rentrée scolaire avec comme directeur l'abbé Donatien Bizaboulou. Et pendant 10 ans, 3 ans donc à Saint-Jean, 7 ans au grand séminaire Saint-Robert-Bellarmé de Maïdi, j'ai fréquenté et côtoyé l'abbé Jessie. Il me connaît donc, je le connais et nous nous connaissons. L'abbé Jibizouyoudi, c'est cet homme d'abord entreprenant. Déjà lorsque nous étions à Saint-Jean, il gérait pour son propre compte de petits kiosques. Il avait, mes frères et sœurs, dans la rue d'Indamba, à moins que je ne me trompe, une petite porcherie. Et avec ce qu'il pouvait récolter, il pouvait organiser justement des festivités pour pouvoir nous égayer, nous, ses amis de Saint-Jean. L'abbé Jessie Bouilloux dit, mes frères et sœurs, c'est cet être qui m'a dit il y a quelques mois, Tata Isée, lorsque j'aurai fini mes traitements et que je rentrerai au diocèse, je demanderai à l'archevêque de ne pas me nommer dans une paroisse, je veux tout simplement me consacrer au développement économique de notre diocèse. Un rêve, un bon départ. L'abbé Jessie Bouilloux dit, c'est l'homme généreux. Nous l'avons entendu tout à l'heure, cet homme qui allait à la rencontre de tous et de chacun, sans exception aucune, sans distinction aucune. Sa générosité pastorale s'est pleinement révélée avec ce mouvement juvénile appelé CEPELAS, la joie, le sourire. Sa générosité, c'est aussi cette générosité pastorale auprès des personnes les plus fragiles, les malades, les orphelins et que sais-je encore. Mais cette générosité s'est révélée de manière plus pleine dans les derniers jours de sa vie. Vous l'avez entendu que l'abbé Jessie a beaucoup souffert. Diabète, cirrhose de foie et déjà, il avait déjà entamé, mes frères et sœurs, une insuffisance rénale. Voilà, toutes ces maladies qui ont finalement aggravé sa situation. Ce sont celles que je vous dis. Et bien d'autres parallèles, collatérales, qui ont détruit la vie physique de notre frère, l'abbé Jessie. Parce que l'abbé Jessie attendait une greffe de rein, parce que l'abbé Jessie attendait une greffe de foie, qu'un jour, allant rencontrer son médecin, il lui dit « Je vois que c'est un peu difficile pour moi, malgré ma foi, je tiens, mais s'il arrivait que je puisse mourir, n'hésitez pas à extraire de mon corps tous les organes bons qui serviraient à ceux et celles qui en auront besoin après moi. » Quel témoignage d'amour, mes frères et sœurs! L'amour, ce n'est pas ce fameux « je t'aime » labial, mais l'amour, c'est bien cet acte exprimé, articulé et vécu. Et l'abbé Jessie l'a vécu. L'abbé Jessie, mes frères et sœurs, c'est cet homme de foi. Cet homme de foi, mes frères et sœurs. Lorsque nous passions à la pitié salpêtrière à Paris, à l'hôpital, alors qu'il était très souffrant, mais alors très souffrant, c'était lui qui nous remontait le moral. Mon frère, ça va aller, t'inquiète. Cet hôpital était devenu sa seconde résidence entre la maison et l'hôpital, des va-et-vient interminables jusqu'à être hospitalisé pendant plus de 3 mois. Quelle souffrance physique! Malgré cela, il ne s'est pas laissé aller. Il est resté intact et constant, justement dans l'expression de sa foi. Tata Jessie Bouilloux dit, merci pour ce témoignage de foi et d'espérance. L'abbé Jessie Bouilloux dit, c'est cet homme qui savait égayer,
je l'ai dit tout à l'heure, avec le mouvement CPLAS. Mais ici et maintenant, je me rappelle d'une petite scène que nous avions vécue à Saint-Jean. L'abbé Donatien Bizarre est donc sur le terrain. L'abbé Jissi et moi, nous sommes de la même équipe, grand attaquant devant l'Éternel. Et on lui fait la passe. Il laisse passer le ballon entre les jambes de l'abbé Recker. Le stagiaire qui était justement du côté de l'abbé Donatien Bizarre crie de là où il était, sur le terrain aussi. Jissi, ce n'est pas normal. Il faut remettre la ballon au directeur. Et Jissi, qui était prêt à marquer le but, revient, il abandonne le ballon. Nous avons donc manqué ce but parce qu'il aimait très titillant. Il était très titillant. Il revient voir l'abbé stagiaire pour lui dire: Monsieur l'abbé, on ne dit pas la ballon, mais le ballon. Ça, c'est l'abbé Jissi Beyoudi, cet homme que nous avons connu. Mes frères et sœurs, nous sommes là au rendez-vous d'une partie de notre histoire. Nous avons entendu tout à l'heure: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cri de détresse, cri d'angoisse, cri de désarroi s'interrogent sans cesse les spécialistes de la Bible. Mais mes frères et sœurs, la parole de Jésus, la parole de Dieu, mes frères et sœurs, oui, cette parole de Dieu nous révèle autre chose lorsque nous lisons Saint Luc au chapitre 2, verset 42. Père, si tu le veux, alors, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Ce cri donc de Jésus, mes frères et sœurs, est un cri d'abandon dans les mains du Seigneur, un cri de confiance à celui qui donne la vie éternelle. Oui, ce cri a été aussi celui de l'abbé Jissi lorsqu'on pouvait échanger avec lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il s'est battu contre ses diverses maladies, reins, cirrhose de foie, diabète et autres. En plus de sa souffrance physique, l'abbé Jissi, attention, a surtout souffert de sa souffrance morale, de toutes les critiques, de tous les jugements que nous avons portés sur son pauvre être. Et à la vérité, mes frères et sœurs, et en toute transparence, je me dois de le dire, mes frères et sœurs, en Église et dans l'Église, je compare maintenant, avec un peu de recul, la vie de l'abbé Jissi à celle de Jésus, particulièrement cette partie de son procès jusqu'à la croix. Procès de Jésus. Nous avons chacun à notre niveau, attention, été acteurs de ce procès. Il y a le Sanhédrin, Caïphe, scribe et ancien. Or, les grands prêtres et le Sanhédrin tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus. Ici, j'enlève Jésus contre Jissi. C'est peut-être moi, ce membre du Sanhédrin. Un faux témoignage, oui. De faux témoignages, oui. Je suis avec lui dans le lit. À 5h, un confrère prêtre me téléphone pour me dire: il faut que tu parles à l'abbé Jissi parce qu'il est négligent, il continue à boire. Hier, il a bu jusqu'à vomir. Pendant ce temps, Jissi était avec moi depuis 2 jours. Allez-y comprendre. Faux témoignage, avec le coup de fil et les réseaux sociaux qui sont devenus ce lieu, mes frères et sœurs, de déchéance humaine. Dans ce procès, il y a Judas Iscariote, la trahison. L'abbé Jissi a été aussi trahi, marqué par la trahison de ses proches. Maintenant, il nous parle. Et comme aimait dire Monseigneur Combo à son époque d'heureuse mémoire, si au temps de Jésus il y avait un Judas, imaginez après plus de 2000 ans. Oh là là, combien de Judas dans le monde. Le procès de Jésus, c'est aussi les réunions de Pierre. Nous qui connaissions vraiment Jésus, Jissi, l'abbé Jissi, et qui avons été incapables de dénoncer ce qui se disait contre lui et que nous savions. C'est aussi cette foule tricotée d'hommes et de femmes qui crie. Certains soutiennent Jésus, d'autres, il faut qu'il meure. Mais le procès de Jésus, fort heureusement, c'est aussi Simon de Cyrène, cet inconnu que Jésus a rencontré sur la place de Paris, ces personnes qu'il n'avait jamais connues, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest du Congo, et qui l'ont accueilli
aimé et porté. Ils n'ont jamais posé la question à la BGC, d'où viens-tu? D'Oyo, de Kindamba ou de Mekabandjilou? Simplement un être à aimer et à porter. Quel témoignage de vie. Ce Simon de Cyrène, c'est aussi Hippolyte Ouambessa, mes frères et sœurs, qui en 2017 a fait venir la BGC en France pour qu'il obtienne des soins adaptés. Pour la petite histoire, je vous ai dit que je connais la BGC. En 2016, Monseigneur Milano devrait se rendre à Rennes, où je suis actuellement, pour le 80e anniversaire de la mort de Monseigneur Firmin Guichard. Et il m'avait demandé, si possible, que je constitue justement une délégation qui devrait l'accompagner. Je suis expressément allé voir la BGC, je lui ai dit, il faut que tu viennes avec moi pour que tu fasses ton bilan en France. Il a hésité, j'ai dit, tu as ce qu'il faut. Il me dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir ce... J'ai dit, tu as ce qu'il faut. La santé n'a pas de prix. Il s'est mis au pas. Pour votre gouverne, nous arrivons à Rennes. La BGC n'a jamais participé aux activités relatives à ce jubilé. Parce que, à peine arrivé à l'hôpital hospitalisé, l'abbé Donatien a dit, eh bien, on a découvert tous les antécédents et sa santé était bien sûr entamée. Il rentre à Brazzaville pour pouvoir préparer le dossier afin d'être évacué. Rien ne va malheureusement aboutir. Et en 2017, comme je le dis, c'est Hippolyte qui le reçoit en France. Merci Hippolyte. La BGC m'a dit il y a 2 semaines, la BGC, on m'a dit que tu iras à Brazzaville pendant les vacances. Je te prie de voir le colonel Rémi Ayos et lui dire merci. C'est trop ce qu'il fait pour moi. Je n'en suis pas digne. Je vous le dis ici et maintenant, puisque peut-être je n'aurai pas l'occasion de vous voir. Merci. Mes frères et sœurs, chers amis, chers aînés prêtres, je pense que la mort de l'abbé Jessy nous interpelle tous sur la fraternité sacerdotale. Sommes-nous vraiment une église famille de Dieu? C'est bien. Quel beau cortège, vêtu de blanc et de violet, pour accueillir notre frère. Aimer, c'est apporter un verre d'eau, un coup de fil. C'est tout simple. N'est-ce pas l'occasion de pouvoir réfléchir sur notre capacité justement à adapter notre sécurité sociale aussi? Je vous assure que j'ai de plus en plus peur d'être prêtre. Parce que finalement, nous imaginons et nous découvrons qu'être prêtre, c'est être condamné à être en bonne santé. Or, le principe naturel nous dit que la maladie ne prévient pas. N'est-ce pas l'occasion de pouvoir développer en église? Et lorsque je parle de cette église, c'est au sens de Vatican, de église, famille de Dieu, évêque, prêtre, consacré et nous tous. La mort de l'abbé Jessy nous fait réfléchir sur cette collaboration entre famille et église. Nous sommes donnés à l'Église, mais nous restons et demeurons membres d'une famille biologique. Comment réfléchir pour que cette collaboration soit effective? Il nous faut repenser tout cela. Mes frères et sœurs, il nous faut des mesures d'accompagnement moral pour nos prêtres. Merci à la BGC et je veux vous lire un extrait de son texte du livre qui a été cité tout à l'heure, « Retour aux valeurs humaines », c'est à la page 103. Aussi, pendant mes dernières hospitalisations, j'ai compris que l'hôpital pouvait être un véritable temps de combat spirituel pour moi. Je pouvais refaire ma vie, détruire le passé qui m'empêchait d'évoluer, aménager ma conscience. De même, j'ai compris que l'hôpital a une fonction d'enseignement, d'éducation. Ces moments m'ont beaucoup enseigné et changé. J'ai compris le comportement des amis, de la famille et des hommes de l'Église. Alors, lorsque tu décides de refaire ta vie, tu dois purifier ton milieu d'amis, ton milieu de travail, même les biens matériels. C'est pourquoi la retraite est très importante dans la vie, un temps capital pour combattre l'ennemi. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de retraites, mais mes dernières hospitalisations restent les plus capitales de mes retraites. Il sied de noter que ce moment est capital pour les fidèles. C'est un partage que je fais avec tout mon cœur pour aider ceux qui peuvent se trouver dans de telles situations. À l'hôpital,
ne passez pas votre temps à penser à la mort, aux sorciers, mais faites de ce moment un moment capital de retraite et nous le savons que la mort s'impose à nous. Je vais terminer, je prends donc mon téléphone et je vous donne lecture, sans ajouter quelque chose, de la dernière conversation en 2020, l'une des conversations que j'ai eues avec la BJC. Alors, ce fut le 17 octobre 2020. C'est la BGC qui m'écrit. Bonjour mon père, j'espère que tu vas bien. De mon côté, hier je n'étais pas bien sanitairement. Aussi, à la préfecture, j'ai rencontré des complications. Je vais compléter mon dossier et j'espère que ça ira. Je lui réponds. Bonjour mon frère, oui, moi je me porte bien et j'espère que ça avance un peu chez toi aussi. À la préfecture, qu'est-ce qu'on t'exige? As-tu besoin de quelque chose? L'argent, c'est bon. Mais les papiers, ils me demandent beaucoup de justificatifs. Lundi, j'irai à l'hôpital de jour, donc je vais commencer les démarches mardi. Mais ce n'est pas facile. Avec mon état de santé, me déplacer à tout moment, moi-même pour marcher, c'est tout un combat. Souvent, je suis seulement allongé. C'est la position qui m'arrange peut-être. La semaine passée, le chirurgien m'avait dit la solution efficace pour moi, c'est seulement l'intervention chirurgicale. Or, tout pour moi est conditionné par la préfecture. La prothèse qui est sur mon foie ne tient pas. Or, ils ont décidé de faire mes deux opérations le même jour, foie et rein. Pour l'instant, je reste confiant au Seigneur, même s'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ma situation sanitaire. Tu sais mon frère, fin septembre, il y a un prêtre qui a parlé mal de moi auprès d'une maman. Voici ce qu'il aurait dit. Oh Jessie, mais il est venu de lui ici. Il est venu de lui-même ici. On lui a demandé de repartir au pays, il a refusé. Cependant, souvent nos prêtres, nous nous retrouvons quelque part les samedis, mais quand il arrive là-bas, il va se mettre à boire, même quand on lui dit que c'est trop. Au contraire, il boit davantage. Nous, on ne s'occupe plus de lui. Le soir, la maman m'avait appelé pour me témoigner son indignation, mais aussi me fortifier à travers la parole de Dieu. Mon frère, je me demande pourquoi vouloir ma destruction alors que je suis un pauvre pécheur parmi les prêtres saints. Je ne suis pas le premier à subir ces humiliations. Je n'ai presque plus de vie et je le sais, mais que le Christ lui-même décide sur moi, pas les hommes. J'apprends beaucoup de choses horribles sur moi, mais je dis toujours à mon Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur. En effet, frère, le 9 novembre, il y a rencontre avec mon Seigneur Manamika, mais je ne pense pas y être pour trois raisons. 1. J'ai rendez-vous à l'hôpital pour une séance de laser des yeux à 11h. 2. Je ne crois pas donner la cotisation pour dormir avec vous et le matin être le premier à intervenir pour quitter à 9h ou trouver quelqu'un qui va me payer le taxi pour quitter à 10h. 3. Après le laser, je ne peux pas parce que je vois flou. Tu pourrais, si je ne venais pas, tu pourrais transmettre ce que je t'ai écrit à l'Assemblée des prêtres. Je vais publier un ouvrage sur le témoignage de ma santé. Je pense que cela va aider les gens à comprendre l'histoire de ma santé. Vraiment, mon ouvrage va discipliner les consciences, remettre chacun à sa place. Puis, ceux qui trafiquent les informations sur moi en auront certainement pour leur compte. Malgré tout, l'Église reste pour moi une institution divine. Je suis dans mon petit coin, je dois me façonner un peu au milieu des Congolais, que les gens apprennent à m'oublier. Je resterai perméable à ceux qui viendront vers moi avec un cœur d'amour. Père Isée, je te prie d'intérioriser cela pour la rencontre et de faire part de ma douleur, ma réticence qui risque de changer vis-à-vis des autres. Merci mon Père, confiance. Convertissons-nous et croyons à la bonne nouvelle.